Je du thé. Nanana, nanana, nanana. On n'est pas à l'heure. Ouais, c'est vrai. On est en live là, ça y est. Eh mais! Putain, il est insupportable. Écoute-moi ça, quoi. C'est comme, c'est pire que Bayonetta, tata, quoi. Eh Attention, vous êtes prêts? Attention, attention. Oh putain. Des gifles. Tu l'allumes, Romain? Je Ah oui, allume-le. Ouais. Juste fais gaffe quand tu bouges. Il a rien dit. Eh, Bon, re, les gens, on verra quand il y aura des types qui diront ouais, vous êtes en retard, on leur répondra caca. Ah oui, c'est très Exactement, mature cette ça. phrase-là, caca. Donc, de toute façon, là pour l'instant, nous sommes deux, c'est-à-dire moi et Jay, et on est droit. Oh, il y a moi. Ah, Ah nous ben, sommes trois. pourtant il y a écrit zéro. Ah, on est zéro. On nous regarde même pas. On ne se regarde même pas. Ah, c'est comme ça. Tchao, putain! C'est vrai. Tchao, pardon? Oh. Une individu, une personne qui vient qui fait ses problèmes de saucisson. Ouais. Oh, bon. Watch out! Tchao! Donne-moi deux honorables. Bon, là, qu'il y a personne. Oui, bien sûr. Nous étions à l'heure, niquez-vous. Ah non, souhaitez-vous autre chose. Mais non! Linkling, non. Linkling, il fait Woumi! Woumi! Electrode est très heureux d'être Electrode. Sonic Boom, te mets pas en boule et écoute ce que je te dis, voilà. C'était la pire vanne du monde. Elle est où la bicyclette? Y'en a pas. Hein? T'emmerdes pas, y'a pas de bicyclette. Et... Tu peux y Ouais, c'est rentrer par moi. contre. S'il y en a pas, je veux pas y aller. La 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 la. Oh la 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 la. Oh là là, vandalisé. C'est les traces de quel Pokémon, ça? Oh là là. Il est trop fort, il a vu des traces, quoi. C'est vrai? Si c'est vraiment ça, t'es un génie, quoi. Parce que moi, j'avais même pas deviné. C'est quand même un gros petit coco, quoi. J'ai envie de te dire. Bon, elle est sereine, elle est heureuse. Oh, je détestais cette table. C'était une Ikea, tu comprends. Everything is fine. Aïe, aïe, Ah, c'est un sablette. Putain, c'est vraiment gros le sablette. On est deux. Salut, tu veux te battre? Culé de roquette. Putain, merde. Oh. Merde! Je l'ai passé, t'as vu ce qu'il a. T'avais vu ce qu'il a dit? Je vois. Moi, Analubi? J'étais au cinéma. Oui. Putain, je l'ai passé, mais quel tocard! Ah, je suis deg. Ouais, grave. Allez, Smogo. Ah merde! Ah bon? Ça commence. Chrono mort. Eh ben. Ah merde, va falloir remettre Herbosar. Paf paf. Pas du tout fort, Yvi. Ah, super. Gasp.
Ah. Ah bah merci, petit bâtard. Bye bye. Ah, il tire la gueule, il est pas très heureux d'être une femme. Alors que sur le banc... Stop. Stop, stop, stop. Quoi ? Il y a des soucis ? Oui. Bah, attends. Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon, hein. C'est revenu, je pense. Oui, c'est bon, c'est revenu. Ah, attends, attends. Bon, disons que ce soit bon. Oh, mais j'ai pas flash. Merci Baptiste 20 qui nous follow. Ah, et qui est Baptiste 20? Est-ce que c'est Baptiste d'Orléans? C'est une bonne question. Je sais pas. Demande à Romain. D'accord. Efficace comme réponse, hein, j'apprécie beaucoup. Ouais. Bon, je pense que ça devrait être bon là, le passe-bateau, tout ça. Ouais. C'est ça qui est bon. Bon, allez, je file à un de ces quatre. Bien joué. Moi, je vais aller dans la caverne qui est toute noire. C'est... Alors, dit comme ça. Je peux pas, j'ai pas flouche. Tu me donnes flash, toi, ou pas? D'accord. Sur la tête. Attends. Tu vois que ça sert de regarder la queue de Evoli. Ouais. C'est la seule fois où je vais regarder la queue d'Evoli. C'est très bizarre comment il a Fretty et Pikachu, il indique plus la direction. C'est... Non, il y en a un truc là. Hein. C'est la pépite comme dans le cul de ta... Pardon. Heureux Rix. On est à l'heure, t'inquiète pas. Allez, pousse-toi, s'il te plaît, bizarre. Bah, c'est où? Ah. Non, mais c'est juste qu'en fait, on a eu des soucis avec le livreur au final, et ça a été la galère, on vient à peine d'arriver. Voilà. J'ai peur de poser une question, mais alors très conne. Est-ce que Rix, on te connaît? Parce que j'ai oublié le pseudo. Je pense que t'es déjà venu. Non, pas McDo, on a resté sur le taco, mais on a dû attendre 1h30, quoi. Donc, le sel. Voilà. Parce que je sais que t'étais déjà venu sur le stream, mais... Je sais pas. Oh là là, Roku! Je savais pas si on te connaissait ou pas au final. Oh, un gentleman. Eve! Attends, mais le nôtre il est shiny ou ça se passe comment? Il est carrément plus clair. Ah, ça c'est loin d'être con. Parce qu'il est mal en effet, celui d'en face.
Là, ça va d'être battre en réflexion. J'aime beaucoup. Ah, d'ailleurs, la queue du Evoli femelle est beaucoup plus en cœur que... Bon, attends, nous allons vérifier ça de suite. Oh, gasp. Jake, peut-être, il m'a eu au tel récemment. Ah, bah, c'était... Donc, c'était toi. J'avais eu un doute, mais ok, c'est toi. Ok. Poker face. Pourquoi? Je sais pas. Mais... Alors, Ivy, information. Oui! Je veux juste. Alors, animation suivante. Non, Bon, ben je peux pas voir. Ah, changer forme! Attends, faut que je fasse OB en haut, en bas ou à droite, à gauche. Donc comme ça. Ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il a pas plusieurs formes. Attends, voyons voir. Ah, j'ai pas trouvé la forme non plus de Pikachu. Alors que... Ah, en fait, ça dépend des Pokémon. Ah, là, on a la femelle. On a le mâle. C'est les crocs qui sont plus gros, mais... Ok, ça veut dire qu'on a vu les deux... Peut-être que Evoli en fait... On a mais tu vois, tu m'apprends un truc parce que je ne savais pas. Que des Pokémon changeaient d'apparence. Ouais. Moi aussi. Non, j'en connaissais certaines, mais là, que via ce menu-là, je ne savais pas qu'on pouvait le voir. Et... Le Gontran, le fan de quand? Je déteste le camping. Normalement, ça, tu devrais pas aimer. Ah, quoique, il s'en bat avec. Wow. Oh, il brûle, bon ben, fini. Fait griffe et il meurt. Ah merde, il est pas mort quoi. Quel tocard. C'est le tocard. Le tocard. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon de talent. Changer, oui. On va repasser Herbo. En premier. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. Herbo. Oui. Il, si tu as mâle et femelle, tu peux les voir, je crois, si c'est comme les vieux versions, écran et petit doivent être ajoutés de la même façon. Peut-être. Vraiment peut-être. Hein. C'est la grande question. Mais quel connard! Pardon. Oui. Victoire! Ah, la fameuse. En plus, le combat, il est pas évident. Hein. Et paf, en plein visage, la poule. Ouais, je veux dire un même. Un mémès, comme dirait notre ami du Nord. Ah, tu l'as jamais entendu dire ça? Pas ton reine. Hein. L'autre, du Nord. Non, l'autre, du Nord. Ouais, Draken un jour il a dit eh, vous aimez les MMS? Oh là là. Moi j'ai ri, j'ai pas pu m'empêcher de me. Le collègue qui des images comiques sur internet. En gros. Genre pendant un moment. Attends, quel même pourrait te parler à toi? Le M4. Ouais. Le M4. Le chat qui ressemblait une constante. Non, celle de. Je lui ai jamais montré. Je l'ai jamais montré. Ouais, j'ai jamais montré les gros mèmes à Romain. Ça. Oui. Voilà, ça c'est un mème.
Voilà. Parce que c'est devenu un truc complètement abusé du jour au lendemain. Genre, qu'est-ce qui, dans l'actualité, peut devenir un maître ? Ça. Ouais, mais il connaît pas le dogue. Le dogue. Merde, j'ai pas remis l'autre en premier. Bah, le Splatoon gilet jaune, ça peut être un même. Hein. Ouais, ça pourrait, ouais. En fait, c'est une figure qui représente. Assez humoristique, qui est repris sur plusieurs choses en fait. Et souvent, bien tourné pour faire tout et n'importe quoi. Pourquoi je viens de repenser le mec qui voilà. Oui, c'est le même. Genre, tu vois, Freddy Mercury, quand il fait comme ça, ouais. Est-ce qu'il est super drôle ? Eh ben, c'est devenu un mème parce que les gens ont estimé que c'était très drôle. Il y a un exemple en tapant mème sur YouTube. Bon, nous sommes en stream, on va éviter le YouTube là en ce moment. Rendez-vous de... Paf. Tornion. Ah, ça va me toucher 5 fois, évidemment, sinon c'est pas mal. Ah, 4. C'est moi, quand je fais Torgnol, ça fait que 2. Et pas quand l'ennemi le fait, ça fait 5 ou 10 000. Non, bah non, quand il meurt, bizarrement, il chante pas. Oh là là, elle est très très pas heureuse. Ah, t'as aimé ? Oui. Merde, j'avais pas vu le recul moisi, là. En vrai, c'est difficile de voir qu'il est shiny, le rond. Il est jaune. Gilet jaune. Alors, oui. Ça peut m'arriver, souvent. Je vais me faire reprendre en orthographe, je déteste ça. Ouais, désinhibé, je l'ai mal écrit. T'as oublié le H ? J'ai mis le H au tout début. Ah. Voilà. Donc c'est sûr que commencer un mot par un H. Cassez-vous. Et là, c'est l'autre. Ouf. Pardon. Ok. Il joue à Smash. What the f... Oui, c'est anti-gravité du rond doudou. Non mais genre, attends, il va s'envoler. Regarde bien. C'est pas faux. Fils de con, quoi. Sans blague, quand est-ce qu'il joue pas à Super Smash ? Mais putain, mais c'est de la bite les honor ball en vrai. Putain, j'ai réussi à la mettre à gauche, à droite. Oh mais c'est pas possible. Mais les honor ball, c'est nul. Y a pas d'autre mot. C'est de la merde en boîte. Normal égale Pokéball en blanc. Ouais, mais c'est quand même de la bite en bois. Et via ce Pokémon, vous allez faire du online plus tard après l'aventure ? Je pense pas. Je pense que... Ou peut-être pas en stream, du moins. Oh, un défi entre Jake et moi. Bon, c'est déjà que je vais gagner. Je pense qu'il y a qui va gagner, mais ça peut être rigolo. Ouais. C'est pas en plus. Non, je l'avais mis dans le nez fantôme. C'est pas grave, ça peut arriver. Elia Wood. Attends ta couille.
Et j'ai toujours pas mis un bizarre en premier. C'est ce qui s'appelle du regret dans le langage. Pourquoi Yaki ne va win? Parce que Yaki est meilleur en tout, en fait. Même en taille de bite. Personne ne l'a entendu. J'ai entendu, je relève pas. Oh merde! Bon, tout le monde a entendu. On peut pas savoir s'il y a pas de fight. C'est pas faux. Bah, rien que on, va dire, on va dire que sur Pokémon, j'ai un esprit beaucoup plus stratège que j'ai des gens. Rien que par exemple, je prends juste ce Smash. Je. Bon, voilà. Ça, c'est parce que je joue trade depuis des années, c'est tout. Surtout en culture Zelda. Oui, bon. Le pauvre n'a pas tout fait, il est pas parfait. En Zelda, j'ai pas beaucoup fait, j'ai fait le 1. C'est déjà pas mal en vrai. J'ai fait Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Voilà. Voilà, c'est les. Enfin, c'est considéré comme être le pire. Hein, ben... Les 3 ? Non. Le premier, ok. Même s'il était très. Bah, très sans scénar, quoi. Bah, il était très particulier, en même temps, ouais. On était dans les années 80. C'est ça. Et Spirit Tracks et Phantom Hourglass, c'est considéré comme de la trash. Ah ouais ? De la trash timeline. Personne les aime. Putain, moi, genre, je les adore pourtant. Les gens ont dit. Bon, ok. Mais alors, dès qu'ils ont vu Phantom Hourglass et le reste... Ah, pourtant, je les ai beaucoup aimés. Est-ce qu'il y a un jeu où je suis meilleur que toi ? Oui. Le Scrabble. Bon, ok. Aïe aïe aïe. Yaki soit laxiste. Ben, c'est. Ah non, j'ai dit la culture ne les a pas aimés. Moi j'aimais tous les Zelda que j'ai fait. Qu'on soit d'accord. Hein. Putain, il fallait que le seul moment où je mette Herbiza en premier, il y ait un Salamèche. Je déteste ma vie. On dirait vraiment quand il éternue. Quand ils sont en parallèle avec Wind Waker. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai aimé tous les Zelda que j'ai fait. À part Skyward Sword, que j'ai trouvé un peu pénible à la longue. Tout ça à cause de failles, en fait, et de la gestion de la Wiimote. C'est les coups que tu donnais à la Wiimote n'étaient pas très bien. Ben, autant là avec mon joystick, hein, enfin, mon Joy-Con. C'est pareil. C'est la même merde. Et Fai qui te dit toutes les 5 minutes qu'il n'y a plus de piles dans ta Wiimote, c'est pénible. Après, le jeu est pas trop mal. Le héros n'a pas beaucoup de le méchant n'a pas beaucoup de charisme, hein, le pauvre Giraïm. Autant qu'il aille se rhabiller. Après, le banni, l'histoire du banni, tout ça, c'est pas mal. L'histoire de Zelda, ouais, why not. Après, tout le monde dit, Twilight Princess est le meilleur, Twilight Princess, non. Moi, je trouve qu'il est pas mal, mais de là à dire que c'est le meilleur, bon, j'ai pas trop envie. Il est très très lent à démarrer. Ouais. Il est lent à démarrer, il est lent dans le jeu de base, enfin... C'est t'as des phases de ramasser des putains de perles blanches de lumière. C'est mignon, 5 minutes, mais au bout de 2 heures, c'est pénible. Lequel j'ai beaucoup aimé. Alors... Moi je sais, bon après c'est parce que c'était toute mon enfance, mais j'ai beaucoup aimé Oracle of Age et Oracle of Saison, voilà, parce que ça fait partie de toute mon enfance. C'est genre j'avais fait les deux jeux séparés, j'avais fait la partie du jeu combiné, qui était, oh il y a un Goopix là-bas, je vais aller le choper s'il disparaît pas. Si ouais. Tu peux en avoir un deuxième, ouais. Oui, je sais, je vous l'ai dit. Enfin, non, voilà. Je suis un rétro Ocarina et le must est l'unique, mais tout ça va. Bah, pour moi, Ocarina of Time, je l'ai fait très tard. Je l'ai pas fait dès qu'il est arrivé. Et j'ai été un peu déçu. Parce que tout le monde disait, c'est le meilleur. Et moi, j'ai dit, bof, Majora's Mask à côté était mieux, quoi, niveau scénar. Malheureusement, avec Ocarina of Time, c'est... Ah, il est méchant. Pourquoi ? Parce qu'il est méchant. D'accord.
Donc il y a des donjons à faire. Ah d'accord. Et puis c'est tout, tais-toi. Ah d'accord. Alors que sur... sur Majora's Mask, t'as... Bon, il est méchant. Ouais, j'ai pas su le dire, j'ai le nez bouché d'accord. Sur Majora's Mask, ils ont dit, il est méchant. Pourquoi? En fait, parce qu'il s'est fait posséder, parce qu'il y avait un background en fait. Et que le fait de remonter dans le temps, bon, c'est pénible à la fin du... Quand t'es sur le boss de fin de ton donjon et que... Oh ben... Et qu'ils te disent, bon, bah en fait, non, dis-toi. Dis-toi, t'as pas de temps, remonte dans le temps, sinon tu perds, t'as gagné. Ça, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. J'ai raté... Et mon préféré restera quand même Wind Waker. C'est tout. Et comment il s'appelle, A Link to the Past aussi est vraiment bon. Genre en termes de... Putain. En termes de rétro, il est vraiment très chouette. Après, lesquels j'ai beaucoup aimé, je sais plus. Boum. Sur Majora, la théorie veut qu'il soit mort et passe les épreuves de la mort avec les cinématiques des champs. Ah oui, oui, non mais ça c'est pas une théorie, c'est même... C'est même confirmé que la timeline de Majora, c'est celle où il a perdu. Il est mort contre Ganon dans Ocarina of Time. C'est Ocarina of Time, en fait, qui a foutu tout le bordel dans le jeu, sans déconner. C'est le problème. Ah merde, faut que je te capture un autre Shitty Floor aussi. Hein. Bon, sur le chemin, t'en trouveras. Ah bon. Bah. Ah, c'est le retour de elle. Ce petit filou. Bordel, mais ils font tout chier. Voici une photo, un screen que tu regardes de Benoît actuellement. C'est un connard. Il a pas encore capturé. Ouais, mais il est retourné dans le Mont Sélénite exprès, quoi. C'est peut-être qu'il cherchait le lever d'art dans son Pokédex et qu'il s'est dit, putain, en fait, il est là. Donc voilà. Mario, tu veux faire quoi de plus? On l'envoie à la plage et dans l'espace. Certes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Mario? Ben déjà, Odyssée était vraiment très bien. Et il pourrait très bien faire un Odyssée 2. Ouais, il pourrait faire un Odyssée 2. En fait, j'attendais un Galaxy 3. Et en fait, ben... Ils ont fait Odyssée. Donc j'étais pas très déçu. C'est le truc. Major Bob, il est pas encore là, c'est ça? Il te faut d'abord tranche, donc en gros, il te faut d'abord aller à l'océan. Comme avant, en fait. Ouais. T'es allé voir la maison des machins Pokémon? Nul. Mais non, il est pas nul. Quoi? C'est là. En haut à gauche, ouais. Je sais plus si. Non, ouais, l'océan à côté. Je sais plus s'ils disent un truc ou ils disent. Qu'est-ce qu'il veut sur le site? C'est ça là, non? Ah oui, c'est Julio, putain. Un petit papa veut dire que... Ah, c'est ça là, oui. Il y a un gros ruban dessus. C'est vrai que lui, il donne des trucs. Ah oui, mais lui, il dit que son Ponyta est beau et qu'il fait piti-clop, c'est ça? C'est lui, non? Je suis hyper tatillon quand on parle de Pokémon. Oui, c'est Ponyta, je sais. Ah, galop, pardon. Il est mignon. Il est intelligent, brillant, gratuit, il fait piti-clop, non? Ah voilà. Et autre gouzi. Oh non, tout ça pour ça. C'est pour que moi je sois en Evoli. Oh non, j'ai pas envie. Mets-le juste pour voir la tenue au moins. Oh, alors, information Ralgamaziel, il a capturé le Levenard, mais il a raté le Melodelph. Il a fui. Ah, Melodelph. Ouais. C'est dans le sac. Mario est juste rébarbatif, je trouve. Peach se fait toujours vrai. Oui, bon, après pour le scénario, on y reviendra, hein, ça c'est sûr. Niveau scénar, c'est de la merde.
Mario, c'est plus axé famille que Zelda, de toute façon. Oui, certes. Donc c'est normal qu'ils visent que les plus jeunes, ils vont pas s'emmerder à faire un scénario très très développé. Bien que... Bonsoir, Ethan 27208. Bonsoir, c'est très précis. Mais je lui ai mis un truc et je le vois pas. Oh mon dieu, d'accord, je vais le voir. Au revoir, on enlève ça. Mais non, mais c'est sur Evoli. Bah non, c'est sur moi. Voilà, une casquette Evoli, très sale. Voilà. Elle est pas belle. Un haut Evoli. Oh, voilà. Ça encore, ça va. Très le swag, ça fait très heureux. Oh mon dieu. Là. Le short écossais. Attends, c'est pas fini, on va mettre les baskets. Attends, ouais, encore, ça va, les baskets. Et puis le sac aussi. Tu peux tourner avec Y. Ah, on peut tourner avec Y. Ah, voilà. Le sac est très fun. Là, on est très sexe, là. Hein ? Eh, Evoli, bah oui, oh là là. Putain, quelle horreur. Ouais. Ah là là. Oui, donc pour revenir sur ce qu'on disait de Mario, oui, le scénario est pas génial, même s'ils ont essayé de faire un effort sur Odyssey, sans déconner. Ils ont essayé. Mais après, les jeux sont bons en soi. Certes, l'histoire est nulle, le scénar vraiment pue du cul. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu que les tulipes, elles sont jolies ? C'est ça ? Ah, je t'emmerde. Le pauvre, il avait pas vu de petite tulipe depuis longtemps. Il en a une sur le dos, putain ! Mais je sais. Oui, ah, je l'ai pas celui-là. Ah merde. C'est comme, j'ai pas fait le sorcier aubergine. Ah. Le sorcier aubergine. Oui, va dans l'esprit. Le sorcier aubergine. Est-ce que tu peux voir ton dos, toi ? Je peux voir ton dos, toi, comme ça. Voilà. J'ai un petit sac Evoli, bien nul à chier. Que l'on soit d'accord. Allez, on y va. Ah oui, non, vu comme ça... Est-ce qu'on pourra faire surf, là ? Oui, j'imagine. Allez. Faut pas oublier qu'il faut qu'on perde dans l'océan. Ça va être compliqué. De se faire rect dans l'océan. Mais j'ai pas compris pourquoi. Pour que l'océan reste là, mais qu'on puisse faire surf. Sans miroir. Quel miroir ? Non, en gros, voir ton dos, toi, pour de vrai. Mon dos à moi ? Ouais, là, voir. J'ai pas compris. Regardez toi-même ton propre dos. Oh, oui, voilà, tu peux voir. Ah putain, d'accord, je viens de comprendre pourquoi. Ok, ok, d'accord. Ah, le sorcier aubergine. Ah oui. Eh ben, il est beau, non? Je sais pas. J'ai récupéré plein de nourriture au buffet. Mais oui, du coup, pour revenir à l'océan, j'ai pas compris pourquoi. Quoi? Quoi, qu'est-ce que tu disais? Je disais, pour l'océan, j'ai pas compris pourquoi tu la perds, en fait. Parce que si tu perds, tu peux aller chercher surf et revenir faire surf avant de rentrer dans le bateau. Parce que... en fait, faut laisser des combats, faut aller rusher la CS. Attends, je sais plus comment ça se passe. Que à partir du moment... Oui, c'est ça. C'est faut aller chercher coupe. Après, tu meurs dans le bateau. Comme ça, moi, tu repends pour centre Pokémon et le bateau ne part pas. D'accord. Et si le bateau part pas, là, le chemin qu'on a traversé, on peut faire surf pour aller au camion. Voilà. À vérifier. Oui, à vérifier si ça existe encore. Hein. Et puis c'est surtout comment je peux mourir avec cette merde des mots. Ah, j'ai une idée. Bon, ah bah tu la sors. Non mais oui. Tu la sors de l'équipe. Oui, voilà. Tu mets un chenipan. Ouais. Et par contre, le bateau il a changé là, non? Non, c'est la même map qu'avant. Ah. Si ils ont patch. Ouais, ouais, mais bon. Ça, malheureusement, je ne sais pas. Attends, on pouvait sortir là? C'est le pont du bateau en fait. Il a vu à bouffer. Ça le ratasse. Ah non, il veut faire Céline Dion, d'accord. On va y aller, oh là là. Et là, tu fais la chanson de Titanic avec Evoli à la place. Horrible. Autorio!
Aïe aïe aïe. Parce qu'en fait, le truc qu'on va faire, c'est aller chercher Coupe, faire le maximum de combats possible et laisser un combat où on le perdra, quoi qu'il arrive. Enfin, on va essayer, tu vois. Ouh. Après, je sais pas s'ils l'ont patch ou pas. C'est le problème. Quoi ? Comment on gère? Ah, j'ai une idée. Donnez-nous deux petites minutes, s'il vous plaît. On n'arrête pas la vidéo, juste le son. Voilà, normalement vous devriez nous réentendre. Et vous êtes heureux d'entendre ma voix nasillarde, nulle à chier. Le nasillarde, putain, mais. Mais please, quoi! Gueux, j'ai le mal de mer, je prends l'air pour me soulager. Oh. Voilà. Evoli est heureux, il fait Céline Dion. Oh putain, pousse-le! 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 Ah, non, il en veut pas. Il ne veut pas discuter avec nous. Ou alors de loin. Le mec veut danser avec nous. Gueux toi-même! Tu viens de louper une blague de Ben assez intéressante. Ah si, j'ai aimé, moi. J'ai dit que j'avais une voix nasillarde et il a décomposé le mot en deux. Je te laisse deviner. C'est un très très gros nazi, un nasillard. Intéressante. Que j'ai dit. Ah! Merci Ethan pour le follow. On aime Ethan, bravo, merci. Une blague qui va faire fourreur. Oh putain. Merci Ralga. J'en ai marre de vous. Non, mais c'est des blagues qui servent à rien. Ralga, j'ai une question à te poser. De quoi? Ah, sa vanne, j'ai pas entendu, c'était quoi? Des vannes qui servent à rien. Ah putain, à rien, d'accord. Oui, point d'interrogation. Est-ce que le camion existe toujours ou pas? Parce que j'essaye de me faire chier, là. On t'a dit qu'on avait la réponse, tu peux faire la demande. Ah bon? Vous avez la réponse? Ah bon? Il y a un camion ou pas? Il y a un coupillasse. Ouais, il est beau. Parce que je me demande si je me fais chier ou pas. Bah, j'en sais rien. Ok, très bien. Pour l'instant, de toute façon, tu verras à la fin de l'océan, sur le dernier combat. Non. Bah tu laisses un combat et puis voilà. Mais quoi. Oui, mais je sais pas, il y a parfois des cabines vides. Elles sont toutes pleines, sauf qu'il n'y a pas que des combats tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a des gens à parler, des objets, et il y a moi par exemple. Ouais. Ouais, mais toi ça veut dire que c'est le bon chemin. Oui, oui, moi oui. Donc très bien. Il y a Ralga qui... J'ai un levé là.
Tu commences le jeu à peine ou t'es, bah, t'es juste parti faire un tour pour voir les vénères? Bah, il sort du Mont Sélénite, donc. J'envoie un roucou. Un roucou. Un roucoucou. C'est un roucoucou. Roucoucou. Mon dieu, pourquoi? Le roucoucou. Oh là là, j'ai de mal. J'ai 2K. Ah, oui, pardon. Le fameux G carré, ouais. J'ai la Switch depuis une semaine en fait. Ah d'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je savais pas. Non, je ne savais vraiment pas. Non. Je ne. Retourne au niveau max, toi. Oh là là, mais il meurt pas. Ah bravo, putain, ça m'énerve ça. J'avais pareil avec mon Ronflex sur, sur Soleil, quoi. Ah bravo, Ronflex! T'es canard. Ah mais non, c'est pas efficace, le vol. Le combat contre le vol. Ah ouais. Bon, au final, ça l'a tué. Hein. Et apparemment, ils disent que c'était pas très efficace. Donc. Titouné, envoie Pikachu. Voulez-vous changer de Pokéfilon? Non. Pikachu. Est-ce que t'as dit ça en bas tout à l'heure, ce qui se passe là-bas? Non, c'est Pikachu. Il y a 4 Pikachu qui n'utilisent que le B. Du coup, attends, ah putain. Pikachu. C'est vrai que c'est insupportable ça. Oh mais quel FDP? Bah mange le feu. Non, pas double pied. Il est vol normal, du coup 50-50. Très bien, merci. Et paf, la pastèque en curie. Le coup. Oh, en plus il brûle. Et je vais presque perdre dans l'océan, ça continue. Attention, on mène au casque. Attention, on mène au casque. Mais putain, mais t'es pénible. Avec tes super potions moisies. Faut mais guérir. Si ça l'empêche de jouer, je joue. Non, apparemment. Arrête. Et brûlé. Piquette. Un mystère. Non, je veux pas changer, au contraire, je vais attaquer. C'est pour ça que j'ai pris Evoli. Et que j'ai pas choisi cette merde de Pikachu. Oh, enculé. Pikachu et souhait. Pikachu et souhait. Pikachu. Putain, mais ça brûle à chaque fois ou. Oh non, plus de dodo. M'en fous, elle va brûler, regarde là. Evoli ne veut pas que vous inquiétez et ouvre les yeux. Ah putain, c'est vrai que c'est pété quand t'aimes vraiment un Pokémon. Et il va remourir. Voilà. Voici là. Putain, mais. Et pouf, ça fait des chocs à pic. Bon, ça veut dire que t'auras un plaisir, comme dans ton jeu à toi. C'est pas mal. On a battu Titourné le dresseur. Par le pouvoir de l'amitié. J'hallucine, t'as grave progressé. Oh là là, je suis très fier. Allez, ciao. Et il s'est barré. Alors, déjà, on va prendre coupe. Ah ben, toujours à vomir dans sa poubelle. Vous frottez le dos du capitaine. Ah oui. Oh oui, c'est bon, ça va aller. Ça rentre tout seul, tu vas voir. Horrible. Allez. Il est très déçu. Non mais c'est vraiment de la merde ce scénario. Le Captain Igloo. Il va te mettre des bâtonnets de poisson. Bonsaï. Ça s'appelle vraiment
Non, c'est bon, c'est trop chargé. Non, là, là j'allais vraiment, bah, alors, vraiment regretter. Est-ce qu'il a vomi un objet? Ah merde! Du coup, bon, le... maintenant faut mourir. Alors. Il y a le menu de ce soir dans la poubelle. Il y a le menu de ce soir dans la poubelle. Oh. Alors, 5 boîte Pokéfiron. Il y a le taco et la, le livreur dans la poubelle. Ah putain, le livreur, quel enculé. Roland, enculé même. Ouais, exactement, Ralga. Et tu verras le reste, c'est pas mieux. Alors, à surf, ça va être quoi? Flotter? Ah, c'est la version canadienne du jeu, bordel. Alors, je t'inclus à la place de Evoli. Ensuite, qu'est-ce qui est faible? Ça, je l'inclus dans l'équipe. Voilà. Et enfin, ça. Mais est-ce que tu ne peux pas juste en laisser un et sortir les autres? Je ne sais pas, en vrai. C'est une très bonne idée, je vais... Putain, t'es un génie. Merci. Pour une fois. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je me suis fait t-bag par Guillaume. Alors, premier combat, Caninos. Gentleman, Caninos, c'est ça? Merde. Mais du coup, t'as fait quasi aucun combat, en fait, dans le bateau? J'en ai fait 2. Ceux sur le pont, et c'est tout. J'espère que ça n'a pas trigger un truc, et que je puisse en refaire. Hein. Ah, ouais. Gentleman. Oh, le Go Park. Non, je me suis fait spoil. Bon popo. Oh mon dieu. Il est du Nord. C'est Marine Le Pen. Oh merde. C'est Marine et son père. Ouais, mais il lui reste un œil. Hein. Ah, voilà. Oh ah, ah, je me suis fait Sodome. Ah, attends, pas sûr, pas sûr. Ah, je me suis fait avoir, je pense. Je la sens mal, là. Je pense que si tu prends tranchage, ils ont enlevé le fait que tu puisses perdre dans la... Oh non. Ça te fait sauter tous les combats, et là, tu viens de perdre énormément d'XP. Ben ouais, c'était le risque que je voulais prendre, et je me suis bien fait sodomiser, voilà. Je suis heureux. Oh, merde. Oh non. Ah, j'ai du... Putain, j'aurais dû sauvegarder avant. Je suis un tocard, je l'ai pas fait. Putain. Ah, je suis énervé. Ah, je me suis fait avoir. Non, lui, il faisait pas de combat de toute façon. Ouais, mais bon, j'ai pas quand même. Je suis tellement dégoûté. Ah, oh, putain. Oh. Ils l'ont patché. Mais non, on me l'a pas dit. Personne ne le savait. Peut-être que c'était Imagiro, mais... Non, c'est Rix. C'était Rix qui avait dit que c'était, ça avait été... Ouais, ouais, mais je pensais pas qu'il parlait de... que ça c'était les combats, quoi. Ah, merde. Ce stream est sponsorisé par La Baleine. Merci, Benoît. J'ai perdu tellement d'XP. Oh putain, d'ailleurs, en parlant de ça. Ah oui, oui, remets-les, du coup. Je suis tellement dépité. Oh la vache! Putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je monte un Pikachu? Ça sert à rien, moi je veux faire évoluer des trucs. Comme ça. Si, si, le Pikachu qui l'a capturé peut évoluer. Il a récupéré. Le problème. Putain, je dis peut-être me faire baiser.
Mais putain... Non, non, mais c'est pas ta faute, attends, c'est pas toi qui l'as fait le jeu, je pense. C'est comme eux, ils font des combats, vu qu'ils tournent, putain. Je suis vert, là. Ouais, ça se voit que tu bosses, t'es en train de tourner sur toi-même, espèce de gros con. Oh la vache. Ouais, ça veut dire qu'il va falloir farmer pour corriger ça. Et quelle idée on pourrait avoir pour farmer? Je sais pas du tout. Et si on allait faire un shiny? Il y a un Abra dehors qui t'attend. Ah bah putain, c'est seulement. Ah, je suis vraiment dépité là en vrai. Je pense qu'au total, ça a dû te faire sauter une dizaine de combats. Ouais, 10 c'était mignon, hein. Je dirais facilement 12-15. 10-12, ouais. Putain, j'en ai même les yeux qui pleurent, quoi. Ouais. Génial. Non, je veux pas être ton pote, toi. T'as des mouchoirs à côté. Ouais, je sais, c'est marrant. Putain, c'est tout mon sel. Oh, je t'aime. Il est trop cool. Je suis tellement salé, oh, enculé. Je suis aussi salé que la mer dans l'océan va faire le trajet, quoi. Putain. C'est ta faute, Ben. Je le savais. Ah, tout ça parce que je voulais voir un camion nul. C'est dommage qu'ils aient pas fait ce clin d'œil, quoi. Après, ils ont décidé de niquer les gens. Voilà. Oui, certes, mais je savais pas. Aïe, aïe. Oh là là, pardon, excuse-moi, quoi. Lui aussi, il a appris qu'il pouvait pas aller voir les camions. Il est super vénère. Oh, what? Merde. Oula. Je crois qu'il te propose des bonbons. C'est vrai? Mais non, mais... Non, mais ça pourrait être vrai, en plus. Oh merde, paint me like your French gears. Dafuk, la modération, la mer morte est moins salée que les gears. Je t'emmerde. Alors, les mots censurés ici, c'est « et moins salé ». C'est vrai? Ouais. Mais non. Si, si, regarde, j'ai dû l'autoriser. « Et moins salé ». ».« Et moins salé ». Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas. Onigiri, maintenant ça. Ah, je suis vraiment déçu. C'est vrai, il y a qui a du sens. Ben oui, ben. Vu qu'il a déjà fait le jeu, je me suis dit, ça pourrait être marrant, tu vois, un mec allongé qui te propose des bonbons. C'est vrai que tu vas tout le temps accepter des bonbons de mecs allongés, vraiment. Oui, en fait, t'as 12 ans, tu vas voir des Pokémon. Tu vas. Ouais, t'as compris. Genre, d'accord, mais n'oublie pas de rencontrer des Okun. C'est pas faux, ça, ce que dit Benoît, Albert. Qu'est-ce qu'il dit? Il a la même position que le Ramolos de la version GB. Putain, c'est vrai. Tu sais, celui qu'on a refait en peinture, oui, en montage. Oui. Il était génial. Ah merde. C'est vrai qu'il avait une sacrée tête, on l'aimait beaucoup au village. Aïe, 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 mais quelle merde. J'essaie de retrouver la peinture. Ah, ça serait très drôle en vrai. Bon bah voilà. Je suis très déçu. Regardez, il y a un truc écrit sur le bateau. Ah ah ah, je vous ai bien niqué. Mais putain. J'arrive, Eric souffle. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Alors, je t'explique. Attends.
On va toujours pouvoir peut-être tester. Certes, le bateau est parti, on a le sel. Mais s'il faut, on pourra nager à partir d'ici. C'est qui, elle? Oh, tu vas la reconnaître. Je sais pas, on va voir. On va voir. Tourne-toi. C'est Splatoon? Image Giro, qu'est-ce que tu fais à la télé? Mais merde, c'est qui elle? Mais si! Je m'en souviens pas. Ah, attends, c'est pas un. Attends. Je vais chercher. Ah oui, oui. Elle est dans Soleil et, oui. et Lune. Oui. Et c'est une meuf d'arène, non? Ouais, c'est une des quatre boss. Oui. Ouais, mais oui, c'est ça, ouais. D'accord, putain, d'accord. Ah ah ah, je vous ai bien niqué. Putain, mais.